Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Bbox et aussi sur IDEX. On va voir comment le zine évolue sur ces deux plateformes. Alors tout d'abord, alors c'est vrai, alors aujourd'hui c'est le deuxième jour de cotation, on est le 2 du coup. Hier je ne suis pas beaucoup intervenu dessus, j'ai juste regardé comment ça vivotait, bon très peu de volume, hein, comme on peut s'y attendre. J'ai acheté deux zines, alors est-ce que mes ordres sont passés? C'est vrai que j'avais fait des ordres assez... des ordres limites. Alors, limit order. Alors ici, comme on peut voir, bon, ça me perturbe un peu parce que j'ai là ici. Donc ici, on a le Bitcoin. Mais là, dans les trucs, ça, oui, c'est le Zincoin contre le BTC. C'est un peu perturbant hein, les ordres. Alors le prix, il y a le prix moyen ici et le amount field. Alors, je sais plus trop ce que c'est. J'ai complètement zappé. Ah non, je pense que oui, amount, c'est-à-dire la quantité. D'accord, ça y est, je retrouve mes petits. Donc ici, 0,004 zin que je vais acheter à... Quand il cotera à 1 $. Non, c'est bien ça. Ah non, je vais en acheter un. Quand il cotera à 4... Est-ce qu'on peut dire 4 milli? 4 milli? Non, c'est 0,4 même milli Bitcoin. Ouais, ça c'est peu. Hein. Je vais en acheter peu. Mais ça, je sais pas à combien ça correspond en euros. Faudrait voir. Faudrait que je mette un petit plugin lorsqu'on passe dessus. Parce que sur IDEX, c'est beaucoup mieux foutu. Quand on passe dessus, on sait combien c'est. Et j'ai envie de le vendre ouais, très très bas. Et je vois... Non, je vais en acheter 20 ici. Je vais en vendre 0,5 lorsqu'il va bien pumper. Alors là, on a juste notre petit marché directeur, le BTC contre l'USDT. Alors, on est à 7153. Ah, donc il a bien rebondi. Il a bien rebondi, c'est très bien. Vu que si le marché du Bitcoin monte, ça va entraîner toutes les autres cryptos dans le sillon. C'est pas mal. Je voudrais voir, alors ici, BTC, je voudrais l'avoir contre le dollar quand même, contre le vrai dollar. Ah, on l'a pas. Il y a le favorite. Ah, j'ai pas de favorite. Tiens, on va le mettre en favori, lui, du coup. Comme ça, on l'aura sous la main. Alors, ah ouais, alors suite, il y avait une petite remarque très intéressante d'un néophyte. À un moment, je crois que j'étais en live, qui disait, mais qu'est-ce qui se passe lorsque sur une plateforme, ça va coter à une telle cotation et sur une autre place de marché, à une autre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui ai dit, bah, disons que si le BTC... non, si le ZIN... Si le ZIN était très haut sur une place, bah les gens vont aller vendre. Et sur l'autre place de marché, lorsqu'il était moins, s'il coûtait, il cotait à moins, et bah ça allait monter. Et du coup, ça allait s'équilibrer les prix. C'est ce que je pensais. Et au fait, il y avait un truc que j'avais pas pensé. Alors déjà, on va mettre le ZIN contre le SDT. Ça va être plus clair. Ça va être plus clair. Parce qu'ici, je m'attendais, bah imaginons qu'il cote à 10, à 10, à 10, à 10 $. On va dire bon, par abus de langage, on va dire 10 $, hein, même si c'est du USDT, ça doit correspondre à peu près à 1 $. Eh bien, voilà, si ici cote à 10 sur IDEX, il devrait tendre vers les 10. Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on est à 0,88 et sur IDEX, alors je viens de l'ouvrir sur le market. Alors j'ai toujours un peu de mal avec cette plateforme, mais bon, on va voir comme ça, on va pouvoir comparer les deux plateformes. Hein. Quels sont les avantages et inconvénients? Déjà, j'en vois un, déjà un petit désavantage sur Bbox. Eh bien, oui, on n'a pas ici, on n'a pas en dollars parce que je survole alors qu'on l'a ici. Tiens, on va mettre, je sais plus, favori, ou je l'ai mis en favori. Donc ici, c'est le ZIN contre le BTC. Alors vous voyez, lorsque je survole ici, oh, non, ça ne le fait pas là. Ça devrait le faire là, non? Bon, en tout cas, on a directement la correspondance en dollars. Donc sur IDEX, on a 73 centimes de dollars, comme vous pouvez le voir. Et oui, du coup, je pensais pas que, en fait, ça allait s'équilibrer au niveau de Bbox. On est à 0,88, donc normalement, ça va tendre vers le prix qui est de la cotation sur IDEX, vu que ça bouge pas beaucoup, qu'on a zéro volume. Ah, ça y est, on n'a pas trouvé de nouveau patron, on n'a pas retrouvé le patron, donc on est toujours en attente. Donc ça risque fortement de pénaliser le ZIN vu que ici on a le prix de référence 61 dit ouais 73 centimes donc là ça a pas trop décollé
Là, on y a, bon, il y a quand même un petit écart de 88 à 73. 73, ouais. Donc ça fait 15 centimes de dollars d'écart entre les plateformes. Donc on aurait tendance, voilà, à vendre ici sur Bbox pour en acheter sur Idax. Mais vu que sur Idax, bon, c'est un peu bloqué. Je crois qu'on peut plus mettre de fonds dessus. Donc c'est un peu gravos ce qui se passe. Mais en tout cas, on va attendre. Là, bon, tant que ça bouge pas, je pense que ça va pas. Il n'y aura pas de nouvelles dessus. En tout cas, on va étudier un peu ce qui s'est passé depuis l'introduction, hein, sur Bbox. Mais là, on a vraiment zéro volume. Tiens, je vais le mettre en journalier. Peut-être que j'y suis déjà. Ouais, alors je suis en daily. Je suis bien en daily, d'accord. Super. Alors, est-ce que c'est ici? Ici, ouais, je l'attends à le vendre à 0,06. Je ne vois pas la correspondance en dollars. Ouais, ça va être un peu galère à gérer. Il va falloir faire une petite gymnastique, hein, entre. Maintenant, la référence, ça va être le BTC, hein. Même le mini BTC. Parce que là, il y a des 0,00, c'est pas pratique à dire. Ouais, je sais pas si je trouve un petit plugin qui est. Au pire, je me ferais faire un. Pour que, voilà, quand on survole ici, je croyais qu'on l'avait. On ait la correspondance directement en dollars avec le taux de change. C'est juste une division, mais bon. Petite règle 2-3, hein, mais bon, faut la faire parce que là, ça saute pas aux yeux. Parce que là, je pense que. Mon ordre limite. Ah oui, il est ici. C'est 0,01. Donc, environ à 70 dollars. Vu que le Bitcoin est remonté. Donc, on va étudier vite fait le Zin. Hein. Comment il vivote. Hein, alors, sur le carnet, alors, déjà, les volumes sur Bbox. On est à 16 000 Zin. Hein, ce qui est pas mal. Pas mal pour le Zin. Hein. On va pas dire pas mal pour un actif, mais pour le Zin, c'est pas mal. 16 000. Alors, est-ce qu'il y a la courbe des volumes? Je crois qu'elle est en bas. Alors, je suis pas très habitué. Ah, il y a toujours le TradingView. On va se mettre en mode TradingView très prochainement. Alors là, on est en 15 minutes. Bon, on va regarder déjà en journalier. Qu'est-ce qui se passe en journalier? Donc, toujours cette petite mèche. Hein. Après, passer cette mèche. Tiens, on va mettre maintenant 4 heures. Parce que si on met la mèche, elle bouffe tout. Ouais, c'est un peu dégueulasse ici. Hein. Parce que ça cache vraiment les micro-variations. Parce que là, on dirait que ça évolue pas beaucoup. Mais si on fait disparaître cette mèche, ouais, c'est juste celle-là. Oh, c'est bizarre. Là, je suis pas très habitué, mais bon, c'est pas grave. Ok, d'accord, c'est comme ça. On va le mettre comme ça. Bah, à un moment, il a bien coté à presque à 3 dollars. Hein. Pour des gros volumes ici, presque 2000. Et après, faut voir, faut surtout voir les points bas. Ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez acheter quand ça casse un point bas. Ah, bah ouais, le point bas c'est 0,76. C'est bien ça. Est-ce que je le pointe bien? Parce que là, je le fais un peu à la mano, un peu à l'arrache, mais voilà, 0,74. Ici, ça s'est vraiment équilibré avec la cotation qui était sur IDAX. Bon, après ça a retapé en bas et là ça vivote. Là, ces 4 dernières heures. Ouais. Ah, ici il y a eu quand même des gros achats pour 8 000. Ah, faut surveiller cette cotation à 0,87. Ah, les volumes s'affolent. Ah, bah c'était hier à 21 h. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, y a un petit intérêt là. Y en a qui ont bien acheté à ce niveau-là. Qui a pas fait varier les volumes, donc c'est plutôt bon signe, hein. C'est un bon prix stable. Peut-être que là on peut voir un petit. Ouais, ce serait bien que si ça pump déjà à 3 dollars, ce serait super. Mais en tout cas, ça va arriver au moment où on s'y attend le moins, hein, comme d'hab. Hein. C'est quand on va se dire, bon, il se passe plus rien, que le truc va décoller. Hein. Ça va décoller, ça va décoller. Et si là je le mets, je suis passé en horaire, en heure. En bougie d'une heure. Alors, est-ce qu'on est 0,88? Ouais, ça vivote. Donc ici c'est 6 heures. Alors, ce qui est bizarre, c'est marqué 6 heures. Alors, je sais pas si c'est l'heure, parce qu'actuellement il est 10 heures. Il est 10 heures et là c'est marqué 6 heures. Je sais pas c'est quoi. C'est peut-être en heure. Ouais, ça doit être en heure chinoise. Est-ce que ça serait cohérent?
Est-ce qu'il est 6h? Bon, on est déjà le 3, je pense, en Chine. Ouais, c'est bizarre, 6h. Est-ce qu'on a la même chose sur Idax? Tiens, on va passer en heure. Ouais, je vais un peu approfondir la plateforme, là, parce que là, ouf. Là, les heures. Ah, là, on a les vraies heures. On a midi ici. On a 31. Ah, il s'est rien passé. Oh mince, attends, là, il y a un truc qui me gêne. Pas très bien. 16h, c'est quoi ces trucs? Ah non, d'accord, ça va jusqu'à là. Jusqu'à 10h. Ah, ici, on a des vraies heures. Bon, bah, c'est très bien. Oh, ici, on a eu des gros volumes quand même. Hein. Mine de rien, le 31, il y en a qui se sont fait plaisir en zine. Hein. Ah, ça, c'était à regarder. Bon bah voilà, on a fait un peu le tour. Hein, donc j'ai acheté deux zines. Bon, je vais pas trop montrer, je vous montrerai ça la prochaine fois. Mais en tout cas, on en a acheté deux. Il y a des ordres en attente. Tout va bien pour l'instant. Ça vivote. Je vous donnerai des nouvelles. Peut-être que je ferai un petit point hebdomadaire. Faudrait voir. Waouh, si ça. Bon, si un jour il y a de la forte volatilité, je ferai une petite vidéo, mais sinon, ouais, un petit hebdomadaire, ce sera bien pour faire un petit point sur le zine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!